friends, let's start the afternoon. Yes, my friends, let's start the afternoon. This afternoon, as the and the same as the whole conference, will be mixed some of the themes that Poincaré liked a lot. This afternoon, we'll hear about analysis and geometry. We'll hear about arithmetics. We'll hear about probability with a lot of, with many young speakers, starting with Ludovic Rifort from Université de Nice and Institut Universitaire de France, telling us about the ligne de partage, nowadays called cut locus, but much more elegant in the old days of ligne de partage, and the convex earth theorem. Thank you. So first, I would like to thank the organizers for the invitation. I'm very pleased and honored to participate in this conference in honor of Henri Poincaré. So I had a difficult choice to make, either to give a talk in English or in French, and so I decided to do both. I'm going to give a talk in French, but with English slides. So I apologize to those who don't speak French very well, but I'm sure they will understand what I'm speaking about. So I would like to talk je voudrais parler d'un papier qu'a publié Henri Poincaré en 1905 dans les Transactions de l'AMS. Donc ce papier s'intitule « Sur les lignes géodésiques des surfaces convexes ». Et donc Poincaré donc, explique dans l'introduction, comme vous pouvez le voir, donc il a eu à faire face à étudier les particularités des solutions du problème des trois corps. Et donc il se propose ici d'étudier un problème plus simple qui contient quand même quelques-unes des difficultés du problème des trois corps. Donc il se propose d'étudier le problème des lignes géodésiques sur les surfaces convexes, donc c'est un problème de dynamique hamiltonienne, dans lequel on a moins de degrés de liberté, dans lequel on n'a pas de point d'équilibre, et dans lequel on n'a pas, par exemple, le phénomène de collision. Pardon ? When the slide is in French, may I suggest you do the... OK. So it... Donc, I was saying, okay, so I can give you the talk in English, okay. No, just the slide. Okay. This one, okay. So I'm just saying that Poincaré here is saying that he was concerned with the study of three body problem, and so he has to face a number of different problems regarding this this problem, and so he proposes to study a simpler problem, which is the problem of the geodesic lines on convex surfaces. And so in this problem, we can find some problems which appear in the three-body problem, but not all of them. So I was saying that, for instance, in the problem of geodesic lines on convex surfaces, you have no collision, you have no critical points, and you have less degrees of freedom. So that's why he explains that he would like to study a problem which is simpler, to understand maybe some of the points which turns out to cause problems in the free body problem. Okay, so then he explains that Jacques Adamar did study the problem of geodesic lines on surfaces with negative or non-positive curvature. And so he's saying here that to his opinion, the free body problem is more concerned with geodesics on surfaces with positive curvature. So maybe it's not so clear because we can find both phenomena, the phenomenon of positive and negative curvature. So anyway, Poincaré proposes to study this problem. And so the paper is concerned with two things. First, in the first part of the paper, he's studying what he calls the ligne de partage. And in the second part, which is not very much related to the first part, he studied the existence of closed geodesics on the sphere, two-dimensional sphere, okay? So in fact, I would like to speak about the ligne de partage problem, and I would like to tell you the story of this ligne de partage, which became later cut locus, and to continue the story that Poincaré started in this paper. He proved a few facts about the ligne de partage, and in fact, the story did continue up to now, where we are still facing a lot of problems concerning the ligne de partage. So that's the point of this talk. Ah, sorry. So now I'm speaking in French. I'm very sorry.
Donc, comme vous avez peut-être pu le remarquer, ce papier... comme vous avez pu le remarquer, en note de bas de page, ce papier, en fait, est issu d'un exposé qu'a donné Henri Poincaré, donc le 17 septembre 1904, à Saint-Louis. Donc, je me suis interrogé sur le pourquoi de cet exposé à Saint-Louis en 1904. Donc, en fait, pour la petite histoire, le 17 septembre est un samedi, pas très intéressant, mais ce jour-là, Poincaré donnait un exposé dans le cadre de la 11e conférence de l'AMS, qui se tenait les vendredis et samedis 16 et 17 septembre 1904, à Saint-Louis. Mais en fait, Poincaré n'avait pas fait le déplacement spécifiquement pour cette conférence. À l'époque, la société mathématique américaine regroupait moins de 500 membres. 50 personnes se sont déplacées à Saint-Louis pour assister à l'exposé de Poincaré. Bien sûr, il y avait d'autres speakers, mais l'audience était assez réduite. En fait, Poincaré venait à Saint-Louis cette année-là pour participer à une conférence bien plus importante qui aura lieu la semaine suivante, à Saint-Louis même. Parce qu'en fait, l'année 1904 est une année très importante pour les États-Unis. Comme vous le savez, en 1803, Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis. En 1804, la Louisiane est devenue un territoire américain à part entière. Et donc, en 1904, le gouvernement américain a décidé de commémorer en grande pompe le centenaire de l'achat de la Louisiane à la France. Donc, il a été décidé d'organiser tout un nombre de manifestations en Louisiane et en particulier à Saint-Louis. Donc, cette année-là, 1904, Saint-Louis accueillera les Jeux Olympiques, accueillera une exposition universelle. Et donc, le gouvernement américain a également demandé aux sociétés savantes d'organiser des conférences afin de faire rayonner la science américaine et d'organiser et de faire venir les plus grands scientifiques du monde à cette époque. Donc, c'est comme ça qu'a été organisée une conférence qui s'intitulait donc International Congress of Arts and Sciences, donc dans lequel, conférence à laquelle participèrent 10 000 personnes. Donc, de nombreux scientifiques furent invités. Et donc, la conférence était divisée en sections, et donc dans la section mathématique, voilà le plateau qui avait été réuni, donc ce qui représente la fine fleur des mathématiciens de l'époque. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en fait, la star, c'était Poincaré. Il y a trois Français, Picard, Darboux, Poincaré. C'est peut-être dû au fait qu'on commémorait le centenaire de l'achat de la Louisiane à la France. Pardon ? Oui, Boltzmann, c'est bien, c'est très bien aussi. Donc, Boltzmann. Il n'y a pas d'Allemand. Et en fait, vous pouvez remarquer, mais vous ne le savez peut-être pas, parmi tous ces gens-là, un seul a fait sa thèse aux États-Unis. Je crois que c'est Kastner. Bien que deux ou trois d'entre eux sont américains. Bocker est américain, Pierrepont est américain. Et donc, à cette époque, les Américains venaient en Europe, à Göttingen en particulier, pour faire des thèses avant de retourner aux États-Unis. Voilà, donc ça, c'était pour la petite histoire. Et donc... Poincaré a donné un exposé dans le cadre de la conférence AMS donc, qui portait sur les lignes géodésiques des surfaces convexes. Une semaine plus tard, le samedi 24, il donnait un deuxième exposé plus grand public qui s'intitulait « L'état actuel et l'avenir de la physique mathématique ». Et comme vous le savez peut-être, c'est dans cet exposé qu'il a employé l'expression « principe de relativité ». Et donc il a parlé de ce qui pourrait être fait en physique un an avant le papier célébrissime d'Einstein de 1905. Voilà. Donc là, j'ai trouvé une photo de Poincaré sur un bateau en Amérique. Et là, c'est une photo de l'exposition universelle de Saint-Louis de 1904. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, ce dont je veux vous parler, c'est l'étude des lignes de partage faites par Poincaré sur les surfaces convexes. Donc, Poincaré se donne une surface analytique convexe qu'il suppose à courbure strictement positive, c'est-à-dire qu'en tout point, le produit des courbures principales est strictement positif. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on doit visualiser comme ça, dans l'espace à trois dimensions. D'accord ? Et donc il va se proposer d'étudier sur ce type d'objet ce qu'il appelle les lignes de partage. Alors vous verrez que par la suite, en fait, on peut étendre son étude, on peut étendre ce qu'il va définir à toute dimension, à toute ce qu'on appelle les variétés riemanniennes. Donc, allons-y. Donc, lorsque vous avez cette surface donc, qui vit dans l'espace ambiant R3, si vous vous donnez deux points, vous pouvez définir ce qu'est la distance géodésique entre deux points, P et Q. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'infimum des longueurs des courbes que vous pouvez tracer sur S pour aller de P à Q. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la distance géodésique sur la surface S. Et cette distance va être atteinte par un chemin, qui sera le plus court chemin pour aller de P à Q, et ce chemin va satisfaire à ce qu'on appelle l'équation géodésique, qui, dans ce cadre-là, prend cette forme-là, la dérivée seconde, étant tout point, pour tout temps, orthogonale à l'espace tangent
à la surface, là où vous êtes. D'accord ? Donc, de cette manière, vous construisez des courbes qui minimisent la distance entre deux points et dont la vitesse a une norme constante. D'accord ? Voilà. Donc, ayant défini cette distance géodésique, on va pouvoir définir ce que Poincaré appelle les lignes de partage. Donc, Poincaré dit la chose suivante, soit OM une géodésique quelconque passant par O, on pourra trouver sur cette géodésique un point P à partir duquel la géodésique ne sera plus minimisante. So, starting from one point which is given, O, okay, we are looking at a geodesic starting at this point with an initial speed, let's say V, with unit norm, okay? And so, for every time T, you are drawing on the surface this geodesic gamma of T, okay? So for small time, the geodesic is minimizing between its endpoints, okay? For small time T, you know that the shortest curve to go from O to this point, for instance, is this curve, okay? So maybe after some time, you won't be minimizing anymore between the endpoints of the curve, okay? Why? Because since you are on a compact surface, you know that this surface has a diameter, and so for very large time, your geodesic cannot be minimizing, okay? This means that for every initial speed V, there is a first point along the geodesic, which is P, such that at this point, there could be another geodesic with the same length, which joins O to P, okay? And so Poincaré calls ligne de partage the set of points P, such that there are at least two minimizing geodesics joining O to P, okay? So I'm going to give pictures. And so he studies this set that he calls ligne de partage. So in this slide, so it's a part of the paper of Poincaré, he gives several properties of the set of ligne de partage. I just would like to speak about two of them. The first one is this one. L'ensemble des lignes de partage ne divise pas la surface S en deux régions. Which means in English, the complement of the ligne de partage set is connected. Okay. And the second one is this one, l'ensemble des lignes de partage où une partie de ces lignes ne peut donc jamais constituer un polygone fermé. You cannot have a closed curve in the set of ligne de partage. And it is indeed a kind of système rameux, a kind of tree, okay? And then, you study what happens when you take a limit of points which belong to this tree and which converge to an end of a tree, an end of a leaf, okay? And so he says, que représenteront alors les extrémités des rameaux? Oh, donc, appelons R l'extrémité, au point R, nous aurons des chemins qui se confondront en un seul. He's explaining that at the ends of the leaves of your tree, the points will be conjugate points. Okay? So, I can now give pictures. Donc, vous avez votre surface, donc là, ce qui est représenté en noir, c'est l'ensemble des lignes de partage. Vous vous êtes fixé un point O. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour chaque point de l'ensemble noir, nous savons qu'il existe deux courbes géodésique minimisante entre O et ce point. Donc ce que nous dit Poincaré, c'est que cet ensemble S, il ne divise pas la surface en deux composantes. Effectivement, je pourrais toujours, si je prends deux points hors de l'ensemble noir, construire une courbe qui ira du premier au deuxième en prenant une courbe qui passe par O. Je prends la géodésique minimisante entre le premier point et O, je sais qu'elle ne passe pas par le cut, par les lignes de partage, et ensuite je prends une courbe géodésique minimisante entre O et le deuxième point. Et de cette manière, l'ensemble noir ne peut pas diviser l'ensemble aux deux composantes. Ce que nous dit également Poincaré, donc, c'est qu'on a affaire à un arbre, donc je reviendrai là-dessus plus tard, et il nous dit aussi que les extrémités des feuilles de notre arbre, donc ici, alors j'ai inversé par rapport au transparent précédent, tout à l'heure c'était R, maintenant je me suis trompé, je l'ai appelé Q, donc si je prends un point Q
qui est à l'extrémité d'une des feuilles, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux construire des points R aussi proches que je veux de Q et qui sont sur les lignes de partage. Pour chaque point R, j'ai deux courbes géodésiques minimisantes qui vont de O à R. Quand ces points R vont converger vers Q, les deux géodésiques vont converger l'une vers l'autre, d'accord ? Ils vont faire de Q un point conjugué. Qu'est-ce qu'un point conjugué ? Un point conjugué, c'est un point tel que vous prenez la géodésique allant de O à Q, minimisante, vous perturbez un peu la vitesse initiale, donc vous transformez la vitesse V initiale en V plus delta V, à l'arrivée, au temps T correspondant à la longueur de la géodésique, vous avez effectué un déplacement en espace qui est de la forme delta V au carré, si vous voulez. Voilà. Donc là, Poincaré nous donne un certain nombre d'informations sur les lignes de partage. Et donc, nous, on va continuer cette histoire et raconter un peu différents types de propriétés qu'on peut obtenir. Alors, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de lignes de partage, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, on parle de cut locus. Le cut locus est défini, en fait, comme l'ensemble étant l'union des lignes de partage et de leurs extrémités, c'est-à-dire, en fait, l'adhérence des lignes de partage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cut locus. Donc, c'est un objet qui a été introduit par Whitehead en 1935. Et donc, je vous fais remarquer que les définitions que je viens de donner s'étendent en toutes dimensions, en fait. En toutes dimensions, vous pouvez définir la notion de ligne de partage, dire que, étant donné un point O fixé, il s'agit de l'ensemble des points P pour lesquels j'ai au moins deux géodésiques minimisantes pour aller de O à P, et définir alors le cut locus comme l'adhérence de cet ensemble. On peut sans difficulté étendre cela à toutes dimensions. Alors, donc, à partir du papier de 1935 de Whitehead, donc c'est ce papier, donc un certain nombre de gens ont travaillé sur le cut locus. Alors, cette liste n'est absolument pas exhaustive. J'ai mis quelques noms. Alors, par exemple, Arnold n'apparaît pas parce qu'il n'a pas spécifiquement travaillé sur le cut locus, mais j'aurais pu peut-être indiquer son nom au milieu, là. Donc, en fait, si vous regardez cette liste, on peut distinguer trois groupes de mathématiciens. Les trois premiers, donc, qui sont Whitehead, Myers et Klingenberg, sont plutôt des géomètres topologues. Donc, ce sont des gens qui ont cherché à relier les propriétés topologiques du cut à des propriétés géométriques de l'espace sur lequel ils travaillaient, des choses comme ça. Weinstein fait aussi partie de cette catégorie. Ensuite, les gens comme Tom, Glücksinger, Büchner, Wall, Yomdin, Maser sont des gens qui s'intéressent plutôt aux singularités. C'est-à-dire que, comme on va le voir, le cut locus, c'est un ensemble qui est très peu régulier, qui peut être assez boche. Donc, on peut se demander, est-ce que génériquement, ou est-ce que dans des bonnes situations, est-ce que par exemple pour des surfaces analytiques qui ont certaines bonnes propriétés de régularité, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les singularités de ces ensembles-là? Donc c'est à ce genre de choses que s'intéressent les singularistes, Tom jusqu'à Maser. Puis ensuite, il y a un troisième groupe qui correspond peut-être plus aux analystes, dont je fais partie, dont fait partie Cédric également, donc qui s'intéresse au cut à travers ses propriétés analytiques et surtout à travers le fait que la régularité du cut va être liée à la régularité de solutions d'EDP auxquelles il s'intéresse. Donc c'est par exemple le cas de Lee et Nirenberg. Voilà. Donc reprenons notre travail sur le cut. Alors il peut être utile de visualiser le cut non pas sur la surface, comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais sur l'espace tangent à O à la surface. Donc je reprends ma surface, je fixe mon point O. En ce point O, j'ai un espace tangent que j'ai dessiné ici. Et maintenant, en utilisant l'application exponentielle, donc je vais pouvoir représenter ce cut dans l'espace tangent. Donc je me donne un vecteur tangent unitaire, V. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai un point O et un vecteur tangent en O, cela définit de manière unique une géodésique, partant de O avec une vitesse V, que je suppose de norme 1. D'accord ? Donc cette géodésique, je vais la dessiner sur ma surface. À un moment, elle va toucher le cut. Elle va taper l'adhérence des lignes de partage, c'est-à-dire ici l'ensemble noir. Le premier temps pour lequel cette géodésique tape le cut, je peux le représenter de cette manière. Je prends le vecteur V bleu ici de norme 1 et je le multiplie par cette distance. Ça me donne un vecteur rouge ici. Je fais ça pour chaque vecteur V bleu. D'accord ? Je dessine de cette manière un ensemble qui est en fait un bord d'ensemble qui est la ligne noire qui correspond à l'image de chaque vecteur V bleu que je peux prendre en haut.
D'accord ? En fait, ce qui se passe, c'est que l'image, par l'application qui envoie un vecteur vitesse initiale sur son point arrivé, va être l'image qui envoie le bord, l'ensemble noir, sur le cut ici. Si vous voulez, l'ensemble noir, quand je vais prendre... Donc je prends par exemple ce vecteur rouge, je prends la géodésie commençant en haut avec le vecteur vitesse initiale, le vecteur rouge. Au temps 1, cette géodésie va se retrouver sur l'ensemble noir. Donc l'image au temps 1 de toutes les vitesses de l'ensemble noir vont se retrouver sur le cut. Donc en fait, de cette manière, vous dépliez le cut sur l'espace tangent, et l'exponentielle replie l'ensemble noir sur le cut. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a défini ainsi, donc l'ensemble jaune et l'ensemble noir. L'ensemble jaune, c'est ce qu'on appelle le domaine d'injectivité, en haut. Et l'ensemble noir, c'est ce qu'on appelle le cut locus tangent. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est le cut locus visualisé dans l'espace tangent. Donc vous verrez par la suite que ça, c'est vraiment utile comme représentation parce qu'on va pouvoir parler de régularité du cut. Donc ça voudra dire régularité du cut vu dans l'espace tangent. Est-ce que cette application, ce graphe de fonction en fait en polaire, est-ce qu'il aura une certaine régularité ? Voilà, c'est ça qui va m'intéresser par la suite. Alors, comme le dit Poincaré d'ailleurs dans son article, on peut définir un système de coordonnées polaires en haut. L'ensemble jaune, par l'application exponentielle, est envoyé sur le complémentaire du cut, de telle manière que si je me prends un point sur la surface qui n'est pas dans le cut, je peux le représenter de manière unique par une vitesse dans l'ensemble jaune. D'accord ? Ce qu'on appelle les coordonnées polaires de M en haut. Donc je peux faire ça pour tous les points, sauf pour les points de l'ensemble noir, parce que les points de l'ensemble noir sont par exemple des points des lignes de partage, et là il se pourrait que j'ai deux vitesses qui ont la même image lorsque je les regarde à travers l'application exponentielle. Voilà. Alors maintenant, donc on a défini la distance à ce qu'on appelle le cut locus, on peut faire la même chose pour ce qu'on appelle le conjugate locus. Donc rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai dit qu'une vitesse ou un point était conjugué si cette vitesse, quand on l'a perturbée de manière infinitésimale, les vitesses proches étaient envoyées au premier ordre sur le même point. D'accord ? Donc on va pouvoir définir de cette manière la distance au temps conjugué. Je prends une vitesse unitaire et je regarde le premier temps pour lequel les géodésiques proches ont tendance à se refermer sur la géodésique que je considère. D'accord ? Par exemple, comme Poincaré considère des surfaces à courbure strictement positives, ce phénomène va toujours se produire pour toute vitesse V. D'accord ? Pour toute vitesse V, il existera un temps pour lequel j'ai un phénomène de focalisation. C'est-à-dire les géodésiques ont tendance à se regrouper en un même point pour un certain temps T. De la même manière que précédemment, je visualise ce temps T dans l'espace tangent en multipliant la vitesse considérée par T. Ça me définit le graphe d'une application que j'appelle distance au lieu conjugué. D'accord ? Et lorsque je regarde maintenant l'image de ce graphe violet ici par l'application exponentielle qui envoie une vitesse sur un point d'arrivée, cela me dessine ce qu'on appelle la première caustique. D'accord ? Qui a ce genre de forme. Voilà. Et donc la différence fondamentale entre... l'ensemble rose, c'est ce qu'on appelle le domaine non focal, et l'ensemble violet, c'est ce qu'on appelle conjugate locus tangent, parce que ça correspond à la première caustique visualisée dans l'espace tangent. On aurait aussi pu l'appeler première caustique tangente. Voilà. Alors la différence fondamentale entre les domaines non focaux et ce que j'ai défini précédemment, donc les domaines d'injectivité, c'est que les domaines d'injectivité dépendent de la structure globale de la surface sur laquelle on travaille. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils dépendent du fait que peut-être que... donc je pars du point O avec une certaine vitesse, peut-être qu'en étant parti dans l'autre sens, j'aurais pu trouver un chemin plus court. Ça dépend vraiment de la structure globale de la surface sur laquelle on travaille. Ici, on a une notion qui dépend, pas de la structure purement locale, mais qui dépend de ce qui se passe localement autour d'une géodésique. D'accord ? Donc c'est la différence fondamentale qui existe entre ces deux objets. Donc cet objet, vous pouvez montrer facilement que lorsqu'on le regarde dans l'espace tangent, le bord, il est très régulier. C'est une application très simple du théorème des fonctions implicites, au moins pour les surfaces. Vous pouvez montrer que la courbe ici, qui correspond au graphe de l'application distance au lieu conjugué, eh bien, elle est C-infinie si la métrique est... elle est C-infinie si la surface est C-infinie. D'accord ? Ce qui n'est pas du tout le cas de la distance au cut locus, qui, elle, dépend de la structure globale, et donc qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Voilà. Donc je poursuis.
Donc revenons un petit peu à Poincaré. Donc Poincaré, en fait, nous a dit la chose suivante. Souvenez-vous, il nous a dit, donc étant donné une surface analytique, je fixe un point O, je regarde l'ensemble des lignes de partage, et il nous a dit, les extrémités des lignes de partage sont nécessairement des points conjugués, correspondent à des points conjugués. Donc ça va signifier que vous avez une inclusion en fait, naturelle de l'ensemble jaune dans l'ensemble rose, donc ça c'est dû aux propriétés bien connues du calcul des variations. Et Poincaré nous dit donc que ces deux ensembles, du moins les bords de ces deux ensembles, dans son cas particulier, doivent nécessairement se toucher en au moins deux points. Il y a au moins deux vitesses, donc qui sont celle-ci et celle-ci, alors le dessin n'est pas très joli, je suis désolé, il y a au moins deux vitesses qui sont à la fois conjuguées et à la fois dans le cut locus, c'est-à-dire extrémité de feuille de l'arbre de Poincaré. D'accord ? Et ces vitesses, donc, sont envoyées sur des points qui correspondent à des extrémités. Voilà ce que nous dit Poincaré. Sorry ? Oui, effectivement. Alors, j'y viens. Oui, effectivement. Alors, voilà. Donc, sur une sphère, effectivement. Donc, prenons des exemples sur la sphère. Donc, je prends par exemple la sphère de rayon 1, donc dans R3, ou même la sphère de rayon 1 dans Rn, ou Rn plus 1. Donc, comme vous le savez, si je fixe comme point de départ le pôle sud, eh bien, tous les grands cercles, du moins tous les demi-grands cercles vont être minimisants du pôle sud jusqu'au pôle nord. Une fois que je prends un grand cercle, si je me fixe une vitesse de départ au pôle sud, je vais décrire un grand cercle, la géodésique correspondante va décrire un grand cercle, et quand elle va arriver au pôle nord, elle va arrêter d'être minimisante. C'est-à-dire que si je poursuis un peu, je peux trouver un grand cercle plus court qui permet de relier O au point là où je suis. Donc, en fait, ça signifie que dans le cas d'une sphère, tous les domaines d'adjectivité, donc par symétrie sont tous les mêmes, sont des disques, donc de rayon pi, leurs bords sont des cercles, et l'application exponentielle, effectivement, envoie les cercles sur un même point qui correspond au pôle nord. D'accord ? Donc c'est ce qui se passe pour le cas de la sphère. Si on regarde maintenant les lieux conjugués pour la sphère, en fait, on a exactement la même situation, puisque vous savez qu'effectivement, quand on part du pôle sud, qu'on arrive à un temps pi, on a affaire à un point conjugué, toutes les géodésiques ont tendance à se regrouper effectivement au pôle nord. Donc toutes les vitesses de longueur pi au pôle sud sont conjuguées, donc en fait le domaine d'injectivité et le domaine non focal coïncident pour la sphère et leurs bords coïncident, et donc ce sont deux disques à bord parfaitement réguliers. Alors vous pouvez regarder le même genre de choses par exemple pour un tore de révolution. Alors je n'ai pas mis le dessin, en espace tangent, parce qu'il n'est pas si simple que ça à réaliser. Je pense que ça sera quelque chose qui ressemblera à un papillon. Donc là, je vous ai dessiné donc en trois dimensions le cut locus donc, sur la surface d'un point qui est l'extrémité qui se trouve ici de cette droite rose. D'accord ? L'extérieur, c'est un point qui est sur le plus grand des cercles contenus dans le tore et qui est à l'extrémité de cette droite rouge. Donc en fait, vous avez deux cercles et vous avez un petit bout d'arc ici, là, dont la longueur va dépendre de la courbure le long du grand cercle, en fait. Plus le tore sera fin, plus cet arc aura tendance à tendre vers le point haut de départ. Là. Alors, on peut regarder aussi ce qui se passe sur le tore plat. Alors, pour le tore plat, donc vous savez, vous prenez donc le carré sur lequel vous identifiez donc les deux bords horizontaux et les deux bords verticaux de cette manière. Et donc, vous voulez regarder, donc vous dites que la distance entre deux points de ce carré, c'est le minimum des segments qui permettent d'aller du premier. Non, pardon. C'est le minimum des longueurs des courbes qui permettent d'aller du premier point au deuxième point, sachant que vous avez le droit de sortir du carré. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes là, vous avez le droit de sortir là, donc vous ressortez là, et donc vous pouvez aller là. Par exemple, si vous prenez un point qui est là et un point qui est là, ils sont très proches parce que vous pouvez faire ça et ça. Voilà. Donc, du coup, si vous prenez un point du tore, en fait, le cut locus va être un joli carré. Donc il aura un bord qui ne sera pas très régulier, qui est au moins Lipschitz. Et maintenant, si vous vous intéressez au lieu conjugué, eh bien en fait, les géodésiques dans ce cadre-là sont des lignes droites. Les géodésiques sur ce tore plat ne sont rien d'autre que des lignes droites qu'on reprojette sur le tore plat. Donc si vous vous intéressez au temps conjugué des géodésiques sur le tore plat, c'est exactement la même chose que de s'intéresser au temps conjugué des géodésiques dans le plan R2. Et comme vous le savez, donc les géodésiques sont des droites, et donc si vous prenez une vitesse de départ, vous la perturbez en delta V, eh bien, les droites vont s'écarter à vitesse constante, donc vous n'aurez jamais de temps conjugué.
Donc, dans le cas du tore plat, il est remarquable que le cut est un carré et le domaine non focal est tout R2. D'accord ? Donc, ça, c'est typique des objets à courbure négative. Et c'est ce qui va rendre l'étude du cut locus beaucoup plus simple dans le cas où on a de la courbure négative que dans le cas où on a de la courbure positive. Donc, je poursuis. Donc, en fait, les problèmes auxquels on fait face quand on veut étudier le cut locus, donc on peut regarder différents types de problèmes. Premier type de problème, calculer le cut locus d'une surface donnée ou d'une variété dimension plus grande donnée. Ce n'est absolument pas simple. Ça nécessite de calculer, d'intégrer le flot géodésique, donc chose qui est généralement qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le calcul du cut locus sur des ellipsoïdes n'a été résolu définitivement qu'en 2004. Par Ito et Kiyohara, que j'ai cité tout à l'heure dans ma liste d'auteurs qui avaient travaillé sur le cut locus. Donc c'est un problème extrêmement difficile. On peut s'intéresser à la taille du cut locus. Est-ce qu'il a une mesure nulle? Est-ce qu'on peut dire mieux que de mesure nulle? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur sa dimension de Hausdorff, ce genre de choses? On peut s'intéresser à sa régularité, donc qui est aussi reliée à la taille. Quelle est la régularité du cut? Par exemple, est-ce que si je visualise le cut dans un espace tangent, est-ce que je peux dire quelque chose sur la régularité de la fonction qui me donne le bord? Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle est Lipschitz? Est-ce qu'elle est mieux que Lipschitz? Etc. Et enfin, on peut s'intéresser à des problèmes de perturbation, c'est-à-dire de stabilité. Donc vous partez par exemple d'une surface pour laquelle vous avez un cut qui est très joli, donc par exemple la sphère. Donc la sphère, comme on l'a vu, tous ces cut locus ou tous ces domaines d'injectivité sont des disques, donc leurs bords sont des jolis cercles. Est-ce que si je déforme un peu cette surface, est-ce que cette propriété de convexité, par exemple, des domaines va être stable? Est-ce que je pourrais dire des choses quand je vais perturber la métrique, quand je vais perturber la surface? Voilà le genre de choses auxquelles on peut s'intéresser quand on regarde le cut. Alors, Ito et Tanaka et Lee et Nirenberg, donc que je l'ai déjà cité tout à l'heure, ont montré indépendamment, alors à 4 années d'écart, mais quand Lee et Nirenberg ont écrit leur papier, ils n'avaient pas connaissance du papier de Ito et Tanaka. Donc ils ont démontré indépendamment, parce qu'ils figurent en fait dans des communautés, ils sont dans des communautés très différentes, que les domaines d'injectivité sont toujours à bord Lipschitz. Donc ce qui signifie que les cut locus visualisés dans les espaces tangents sont toujours des choses qui sont, des courbes qui sont Lipschitz. D'accord ? Donc c'est un théorème absolument pas facile à obtenir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut dire mieux ? Par exemple, dans le cas du tore, on a vu qu'on avait un domaine qui était un carré, donc qui est effectivement Lipschitz, mais il est plus que Lipschitz. Par exemple, il est convexe. En fait, est-ce que le cut locus tangent est un ensemble à courbure bornée inférieurement. D'accord ? Donc si vous avez un ensemble de ce type, alors ça, on a affaire à un ensemble pour lequel, en chaque point de l'ensemble, je peux dessiner une petite boule de rayon uniforme qui touche l'ensemble au point que je me suis donné. Donc vous voyez que ce type d'ensemble, donc ce type de propriété interdit d'avoir des pics rentrants. Parce que si j'ai un pic entrant, je ne peux pas dessiner une petite boule qui passe par le point là où j'ai le pic. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle donc des ensembles à courbure bornée inférieurement. Donc comme vous le voyez, comme on l'a vu tout à l'heure, le tore a un domaine qui est donc un carré et qui vérifie cette propriété. Ce que je vous ai montré ici, c'était un domaine à bord Lipschitz qui ne vérifie pas cette propriété. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a mieux que Lipschitz? Alors, en fait, c'est un truc pas facile à obtenir, assez difficile à démontrer. Donc ce que je voudrais maintenant vous expliquer, c'est comment ce type de propriété est facile à obtenir si on travaille en courbure négative ou si, plus généralement, on suppose qu'on n'a pas de problème de focalisation. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les lieux tangents conjugués et les cut locus tangents, donc dans l'espace tangent, ils ne s'intersectent pas. D'accord ? Je vous rappelle qu'on avait ça. Donc là, vous avez l'espace tangent, vous avez 0, l'origine. Vous avez le domaine d'injectivité. Voilà. Et donc, je suppose que le domaine non focal, il est lisse, a un bord qui ne rencontre pas le bord du domaine d'injectivité. Donc, ayez en tête que pour les tores, on a vu, donc, on n'a pas de temps conjugué. Donc, en fait, pour les tores, l'ensemble violet n'a pas de bord. Donc, en particulier, son bord ne touche pas le bord de l'ensemble blanc. Voilà. Donc, c'est
Ce que je voudrais vous expliquer brièvement, comment en courbure négative ou alors en absence de ce qu'on appelle la focalisation, c'est le genre de propriété facile à obtenir. Alors là, j'ai mis un dessin de montagne qui est censé représenter la fonction distance proche d'un point du cut locus. Alors ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Donc, par exemple, supposons qu'on ait un cercle. Donc j'ai un cercle, je m'intéresse à la fonction au cut locus pour le point O. Donc bon, on connaît la réponse, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire, je peux essayer de représenter à quoi ressemble la fonction distance au point O au voisinage de ce point. Alors, cette distance, il va être commode de la représenter de la manière suivante. Si je prends un point ici, là-dedans, je peux regarder la distance par la face est. Donc c'est pour ça que je fais l'analogie avec une montagne. Appelons distance par la face est au point O. Voilà. Le minimum des courbes qui permet d'aller d'un point qui est ici au point O, mais en passant par la face est. D'accord. Donc je ne sais pas si l'est est là-bas. D'accord. Donc en fait, c'est une fonction qui va ressembler à... Donc je vais essayer de la dessiner au-dessus du cercle, un truc comme ça. Hein. Et puis là, elle fait 0, un truc comme ça. Et puis maintenant, je peux regarder pour ces mêmes points, dans ce même ensemble, la fonction distance à O, mais où je n'ai que le droit de passer par la face ouest. C'est-à-dire que si je suis là, je n'ai pas le droit de passer par là, j'ai juste le droit de faire ça. D'accord ? Donc, j'aurai une deuxième fonction qui sera comme ça. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai affaire, maintenant, lorsque je veux construire la fonction distance au point O pour n'importe quel point, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le minimum des deux fonctions. D'accord ? C'est-à-dire que si je prends un point ici, si je veux connaître sa distance au point O, je prends le minimum des deux fonctions que j'ai définies, et donc ça me donnera la distance au point O. Si j'ai un point ici, ça sera celui-là. Et donc je vais avoir affaire à deux fonctions dont les graphes seront transverses, quand je vais travailler sur le cut. Donc, j'ai deux fonctions dont les graphes sont transverses, elles vont définir, leur intersection va être une jolie courbe très régulière, d'accord ? Cette courbe, je vais pouvoir la ramener dans l'espace tangent. Donc, je vais peut-être faire un nouveau dessin. Voilà. Donc maintenant, imaginez que vous n'êtes plus sur un cercle, sur un truc plus compliqué. Vous avez O, vous avez une certaine courbe ici, voilà. Puis vous savez que si vous prenez une vitesse, comme ça, peut-être à un moment, elle va passer la courbe, mais dès qu'elle va dépasser la courbe, ça voudra dire qu'en fait, il valait mieux passer par la face ouest. D'accord ? Donc ça, ça va vous permettre de montrer qu'en fait, au bord du domaine, vous pouvez mettre des paraboles, vous allez pouvoir construire une fonction au-dessus de laquelle vous pourrez toujours mettre des fonctions très régulières, support. D'accord ? Ça va vous donner la propriété requise. Donc pour faire fonctionner ce type de méthode, qui est très simple, vous avez besoin de pouvoir dire qu'au voisinage d'un point du cut, vous pouvez représenter votre fonction distance d'une certaine manière. Pour faire cela, vous avez besoin de ne pas avoir de points conjugués. D'accord ? Je ne vais pas m'étendre, mais c'est absolument très simple. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en courbure négative ou en absence de focalisation, la situation est assez simple. Alors maintenant qu'on a regardé ce problème de régularité, on peut se poser... la question. Donc, maintenant qu'on a résolu ce problème de régularité en courbure négative ou en absence de focalisation, on peut se poser la même question en général. Là, les choses vont devenir beaucoup plus complexes parce que ce qui va se passer, c'est que par exemple, dans le cas de la sphère de dimension 2, vous aurez effectivement des graphes qui seront transverses, mais lorsque vous allez prendre un point qui est au bout de l'arbre de Poincaré, la transversalité va dégénérer. C'est-à-dire que la courbe que vous allez construire ici va dégénérer. Elle va pouvoir osciller, vous n'allez plus la contrôler, donc vous n'allez plus pouvoir contrôler les rayons des boules uniformément que vous pouvez poser sur le graphe du domaine d'injectivité. Donc c'est une chose qui ne fonctionne absolument pas, par exemple, si vous prenez une métrique sur la sphère S2. Voilà. Donc, en fait, Weinstein a montré, donc ça, en fait, c'est un travail qu'il a réalisé dans sa thèse sous la direction de Chern, qu'en fait, si vous prenez une variété compacte lisse qui n'est pas S2, vous pouvez toujours la munir d'une métrique pour laquelle, en un certain point, vous n'avez pas focalisation. C'est-à-dire qu'en un certain point, les deux bords des deux domaines que j'ai définis ne s'intersectent pas.
Vous pouvez toujours faire ce genre de choses. Alors, sa preuve est magnifique. Mais en fait, la situation est... Donc déjà, il peut le faire qu'en un seul point. Et la situation est beaucoup plus mauvaise, c'est-à-dire que vous n'échapperez pas à la focalisation. Donc, par exemple, il y a ce résultat de Klingenberg qui vous dit que si vous prenez une variété compacte, lisse, de dimension paire, courbure sectionnelle strictement positive, alors forcément, vous aurez un point pour lequel les deux bords s'intersecteront. C'est-à-dire que forcément, si vous voulez faire marcher, ce genre d'argument, vous aurez à faire face à des problèmes de dégénérescence. Et vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à obtenir des résultats de régularité dans ce cas-là. En fait... Ah, pardon. De coupure, le lieu de coupure. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Il l'écrit comme ça, mais effectivement, il se touche. Il s'intersecte pas. Mais il s'intersecte, bon. Mais il se touche, quoi. Donc je termine. Vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Donc, comme je le disais, donc la situation n'est pas idéale parce que dès que vous allez travailler sur des variétés compactes qui ont certaines propriétés géométriques, ben vous ne pourrez pas échapper au problème de focalisation, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire marcher ce genre de preuve. Il s'agira d'étudier précisément ce qui se passe au voisinage des points conjugués. C'est une chose assez difficile à faire, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et donc, je terminerai donc par la stabilité donc, qui justifie le titre de mon exposé. Donc, en fait, je vous disais, lorsqu'on prend la sphère, qu'on regarde les domaines d'injectivité, donc on a affaire à des jolis disques à bord très réguliers, qui sont uniformément convexes, en courbure même constante. On peut se demander ce qui pourrait se passer si on perturbait un petit peu, par exemple, la sphère deux dimensionnelle. On la fait un tout petit peu bouger. Est-ce que cette propriété de convexité est préservée? La réponse est oui. Donc, sous certaines conditions de perturbation, c'est un résultat qu'on a obtenu donc, récemment avec Alessio Figali et Cédric Villani qui étaient là. Et donc, on a un résultat de convexité qui s'est enfui, voilà.
Et donc qui se traduit par de la manière suivante, vous perturbez votre surface, ou même la sphère en dimension quelconque, vue dans l'espace tangent, cette nouvelle sphère est tout à fait convexe. C'est-à-dire que les domaines d'adjectivité sont des ensembles convexes qui sont envoyés par l'application exponentielle sur toute la surface, mais quand vous travaillez en coordonnées polaires, vous travaillez dans des ensembles qui sont convexes dans les espaces tangents. Voilà, donc vous avez une certaine forme de régularité, vous avez de la courbure positive ou nulle, même plus. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Les conditions de déformation pour lesquelles le théorème final que vous citez sont valables sont larges ou sont... Non, effectivement, elles sont relativement restreintes. On a besoin de déformation. Alors, on a exprimé ça en termes de déformation de métrique, pas en termes de déformation de sous-variété de l'espace ambiant. On peut le faire, il n'y a pas de problème. En termes de métrique, on a besoin de déformation en topologie C4, petite en topologie C4, ce qui voudra dire C5 en termes de déformation. Donc, on a besoin de déformation vraiment petite, avec 4 dérivées. Et on ne sait pas si on peut le faire avec 3 dérivées, par exemple. On n'a pas d'exemple. 4 is natural, oui. In a way, because 2 derivatives is natural for the continuity. Then here you are asking not continuity, but preservation of convexity, so it's 2 derivatives more, so 4 is natural. Moi, j'ai une question sur les ellipsoïdes. Tu as mentionné un travail relativement récent. Il se trouve que j'ai réfléchi à ces choses il y a un peu plus longtemps. Il y a une question d'Arnold sur les cusps des lieux conjugués successifs, c'est-à-dire pas seulement le premier, mais les autres. Est-ce que cette question a été résolue? Alors, la question d'Arnold, seulement je au ne premier sais pas. Cran. Il y avait une question initiale de Jacobi, ce qu'on appelle le last Jacobi statement. Est-ce que je peux faire un commentaire là-dessus? Parce que Arnold appelle ça la conjecture de Jacobi. Oui. J'ai été voir l'article de Jacobi en question. Je ne parle pas très bien l'allemand. Je peux garantir que le chiffre 4 n'est pas contenu dans l'article. D'accord. Moi, je n'ai pas vu l'article. Et je pense que c'est une invention d'Arnold, personnellement. Donc, ce que je peux dire, c'est que les deux personnes que j'ai citées, donc Ito et Kiyohara, donc calculent le cut, montrent en fait que c'est un segment. Oui. Et calcule aussi le lieu conjugué, la première caustique. Et donc vérifie ce qu'ils disent être le last Jacobi statement. Donc la première caustique. En fait, caustique. Les 4 cusps sur la première. Mais qu'en est-il pour les suivantes? Je ne sais pas. Parce que numériquement, j'avais testé ça il y a quelques années, ça a l'air extraordinaire. Ça marche à la 50e caustique, il n'y a encore que 4 points singuliers. Je ne sais pas. Ouais, c'est assez mystérieux tout ça. Mais eux, ils ont intégré le flow géodésique, ils ont... Bon, alors il faut travailler avec les fonctions elliptiques, voire hyper-elliptiques. Bon, c'est une chose difficile à faire. Pardon ? Oui. Donc, eux, ils ont poursuivi les calculs, l'étude, et ils ont obtenu ce résultat. Dans le cas où il y a de la courbure négative, est-ce qu'il y a des résultats généraux ou génériques plus... Comme je l'ai dit, dans le cas où il y a de la courbure négative, déjà, on n'a pas de problème de focalisation. Donc, en fait, par exemple, ce qu'on peut espérer de mieux sur la régularité des domaines d'adjectivité, c'est des choses qui sont à bord... C'est ce que j'ai présenté, des choses qui sont à courbure bornées par en dessous. Par exemple, le tore a des domaines qui sont convexes, mais on peut facilement construire des surfaces pour lesquelles les domaines vont être des choses non convexes et qui auront cette propriété d'avoir une courbure bornée par en dessous. Mais on ne peut pas espérer mieux en termes de régularité, parce que ça peut arriver. On ne peut pas avoir lisse. On ne peut pas, ça. Donc, en courbure négative, on a ce qu'on souhaite avoir. Le problème, c'est ce qui se passe en courbure positive, c'est-à-dire en présence de focalisation. Là, on ne sait pas si, en général, on aura des domaines dont les bords seront plus réguliers que Lipschitz. C'est une chose qu'on ne sait absolument pas. On sait que ça marche lorsqu'on est proche de la sphère, on sait que ça marche dans plein de situations dans lesquelles on peut faire les calculs, mais on ne sait pas du tout si ça marche en général. Okay, let's make a short break and...
start again at half past and thank the speaker again.